Hello, salut les amis, bienvenue sur ce Woox Live, le premier officiel et public avec Emmanuel Maréveri. Je t'ajoute tout de suite, Manu. Hello, bonjour à Manu, tous. Bienvenue. Comment vas-tu? Ça va super bien, et vous? Eh bien, écoute, ici ça va bien. Dites-nous dans le chat comment ça va de votre côté. Voilà, comment ça va avec cette période un petit peu particulière du confinement. On va venir vous faire un petit coucou. Alors, pour l'instant, apparemment, vous êtes 16. Alors, faites-nous un petit coucou si vous ne nous avez pas encore écrit un petit message. Avec nous, il y a Nancy, Tatou, Cécile, Louisa, Iris, Isabelle. Et alors, pour les personnes qui sont sur Facebook, sur le live Facebook, il faut que vous cliquiez sur le petit lien en description, le lien StreamYard. Autrement, vous apparaissez de notre côté comme étant un Facebook user et j'ai pas ton prénom. Il y a Eden aussi qui est arrivé, Johanna, Alice. Hello à tous, bienvenue pour ce UX Live. Pardon, pour ce Woox Live. Il faut que je me mette à l'ordre du jour. Pour ce Woox Live, l'idée est d'échanger, de pouvoir poser vos questions, notamment à Manu, qui nous fait le grand plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont vu son étude de cas sur le club, eh bien, c'est l'occasion d'en savoir encore plus, si jamais il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées. C'est l'occasion d'approfondir, c'est l'occasion de voir peut-être un peu plus les coulisses de Manu, s'il y a des choses que vous souhaitez découvrir. C'est l'occasion globalement peut-être aussi de poser vos questions à Manu pour comprendre mieux son métier. Enfin bref, tous les sujets qui vous posent question. Si même il y a des sujets qui sont très personnels pour vous, que vous vivez en ce moment, bien sûr, en lien avec l'UX, on se fera un plaisir de vous répondre. Ce sera avec grand plaisir de retraiter les sujets de Manu, mais ça peut aussi être d'autres choses. Voilà, on se donne une heure pour échanger. Pour démarrer, Manu, il y a quelques personnes qui sont ici et qui ne sont pas dans le club. Est-ce que tu peux nous redire qui tu es, ce que tu fais, tes spécialités, tes super pouvoirs du UX, lesquels sont-ils? On y va fort avec les super pouvoirs. Yes. Bonjour à tous. J'ai vu qu'il y a pas mal qui nous rejoignaient, dont certains que je connais et que je salue chaleureusement. Donc, Emmanuel Maréveri, je suis UX spécialiste ou stratégiste, ça dépend à qui je m'adresse, chez Asmodée, qui est un des plus grands éditeurs, distributeurs, producteurs de jeux de société. Donc, c'est un domaine qui est super cool. Avant ça, j'ai travaillé en tant que freelance pour plutôt des grosses entreprises du CAC 40 comme AXA, Picard, Orange, Michelin, enfin, tout un tas de grosses boîte. J'ai fait quelques temps chez Ubisoft aussi, donc toujours dans les jeux, en tant que UX spécialiste cette fois-ci. Et avant ça, j'étais chez Decathlon où j'ai fait une grande partie de ma carrière, d'abord en tant qu'ingénieur, puisque j'ai un background d'ingénieur, je viens vraiment de l'ingénierie en matériaux, donc a priori rien à voir avec le métier que je fais actuellement, même si on va retrouver beaucoup de méthodologies et de processus d'études qui sont communs. C'est pour ça que je me suis spécialisée en user research. Et du coup, chez Decathlon, j'ai créé un pôle qui s'appelle le pôle User Science, où en fait, on faisait vraiment de la science du consommateur. Je mets consommateur parce qu'il y a une question qui m'a été posée là juste en haut, là, sur la différence entre l'utilisateur et le consommateur et le marketing et tout ce qui est en lien en fait avec nos métiers, c'est quoi la frontière? Mais en fait, moi, je fais pas de distinguo entre l'utilisateur et l'acheteur et le consommateur. Pour moi, on parle de personnes humaines qui utilisent un service, un produit ou une marque, mais je considère que tout au long de sa vie avec le produit, il peut être amené à considérer l'achat, à acheter, à l'utiliser, à le revendre. Et pour moi, tout ça, c'est partie de ce que fait l'usage d'un produit. Donc, je fais pas vraiment de distinguo. Et ce qui fait pour moi la différence quand je travaille pour le marketing ou pour l'UX, c'est en fait, c'est le sujet. Si le sujet concerne une problématique marketing, par exemple, le nom d'une marque ou le logo d'une marque, j'ai plutôt tendance à considérer que c'est un sujet marketing, même si je fais une étude sur des utilisateurs ou des acheteurs. Donc, je ne fais vraiment pas de distinguo volontairement et je pense que c'est plutôt une force en fait en tant que UX de ne pas s'arrêter à des dénominations de métiers ou d'utilisateurs pour faire notre métier en fait puisque c'est les mêmes méthodologies au final. Et juste pour finir sur ma présentation, j'ai déjà anticipé sur les questions, j'ai fait des études en psycho parce que je me suis vite rendu compte que même si on est
pas mal en méthodologie, si on sait faire une étude, etc. Sans connaître ce qui se passe dans la tête des gens, ça devient très compliqué de savoir expliquer concrètement et de pas biaiser nos tests. Donc, on parle beaucoup de biais cognitifs, de biais dans nos tests. Mais moi, j'aime bien les mesurer parce que je suis ingénieur. Ces biais-là, c'est-à-dire mesurer des écarts entre deux études, faire des méta-analyses et m'appliquer à faire de la métrologie entre mes études. Par contre, si je sais pas donner du sens à ce que je vois, je donne juste un chiffre sans permettre à l'entreprise pour qui je travaille d'interpréter qu'est-ce que ça veut dire en termes de comportement et comment on peut changer ça. Donc, pour moi, ça a été vraiment un déclic dans ma carrière quand, en 2013, j'ai décidé de reprendre mes études en psycho. Et j'ai fait mes études, parce que ça, j'ai pas mal de questions là-dessus, j'ai fait mes études à distance. C'était un peu dur parce que j'avais deux enfants, un boulot à temps plein, une équipe à gérer et ça. Mais ça se fait bien, en fait. Les études de psycho se prêtent particulièrement bien à des cours à distance. J'ai fait ça avec l'université de Reims, pour ceux que ça intéresse, et je trouve que le cours est assez qualitatif. Donc voilà pour la petite présentation. Superbe. Est-ce que tu peux nous redire en deux, trois mots le sujet que tu avais abordé dans ton étude de cas, histoire de mettre un petit peu de contexte pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu? En fait, le sujet était les études hybrides. Une étude hybride, c'est une étude où en fait, on va mêler du quanti et du quali. Le quanti, ça permet de mesurer, donc on va faire des stats sur un grand échantillon de population, et donc on va dire par exemple que 80% des utilisateurs connaissent Monopoly. Je donne des chiffres au hasard, hein, c'est pas ces chiffres-là volontairement. Ouais. Alors que le quali, on va plutôt essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que les utilisateurs connaissent aussi bien Monopoly ? Est-ce que c'est parce qu'on leur a offert quand ils étaient petits ? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de publicité, etc. Donc on va plutôt s'intéresser au pourquoi, le cas est farfelu. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse en UX, c'est ce que je fais toujours, c'est des études hybrides. C'est-à-dire on va mélanger la mesure de ce qui se passe et l'explication. Comme ça, on a une connaissance complète de ce qui se passe dans la tête des utilisateurs. Et là, depuis les lives qu'on a fait, il n'y a pas une étude où j'ai pas fait la méthode hybride. C'est-à-dire qu'on va toujours complémenter et aller sur les deux. J'ai vraiment du mal à être à l'aise avec les rendus que je vais faire quand je fais que du quanti ou que du quali, parce que pour asseoir une décision, juste du chiffre froid, ça permet pas d'éclairer les leviers d'action, et juste du descriptif, ça permet pas vraiment aux actionnaires de décider. Donc j'aime bien mélanger les deux. Et en fait, cette étude de cas, elle présentait comment, en 2 ans, avec une équipe et un budget, on a réussi à couvrir en fait tout le spectre de comportement de l'utilisateur sportif, puisque c'est chez Domios. À la fois, ça touchait sur les préférences en termes d'aspect esthétique, visuel. Ça parlait aussi de personnalité, qui sont nos utilisateurs et quelles sont leurs motivations à venir faire le sport. Ça parlait aussi d'observation, comment est-ce que l'utilisateur pratique réellement le fitness. Ça parlait de tests produits, également d'études quanti et de tests utilisateurs. Donc, c'était vraiment une étude qui était globale avec un petit peu de biométrie, ce que j'aime bien également aussi. Et donc, ça permettait de voir, en fait, comment on fait, OK, du quanti, du quali, mais sur un projet long terme pour une entreprise, comment tout ça, ça peut s'assembler comme un puzzle. Ouais. En fait, moi, plus je suis à ton contact et du coup, plus je teste aussi des études qui vont vers l'hybridation. Et en fait, quand on commence à mettre le doigt dedans, ça devient quasiment une des seules solutions, en tout cas quand on est sur des prises de décisions stratégiques, parce qu'on se rend compte que, comme tu le dis, il n'y a que là où on se sent... Allez, quasi à 100% à l'aise avec les recommandations qu'on va pouvoir donner, parce qu'on a exploré le sujet sous des angles tellement différents qu'on en arrive à faire des recommandations qui sont costauds, en fait, qui ont assez de muscles. Ouais, qui sont robustes, et qui sont robustes autant sur sur la complexité de l'humain, donc sur le qualitatif, sur les comportements, parce qu'on les a observés, mais aussi parce qu'on les a vérifiés avec les chiffres, tous ces éléments-là. Donc, merci de nous parler de ça, parce que je crois aussi de plus en plus que c'est une des meilleures manières de faire de la recherche. Et elle n'est pas facile. Parce que quand on ne connaît pas forcément les statistiques et quand on n'est pas à l'aise avec Excel, on a de suite une aversion. C'est ce qu'on appelle l'arithmophobie. Hein. On a « waouh, c'est quoi ce truc ? Moi, je préfère être créatif. Les chiffres, ça m'ennuie. » J'ai souvent en fait ce premier levier de bouclier quand je forme des gens à ça. Et surtout, les gens en UX, on aime parler avec l'utilisateur. Et moi, j'aime pas parler avec l'utilisateur parce que j'ai l'impression que je leur fais dire ce que je veux. Et dans mon parcours de psycho, j'ai aussi fait de la psychothérapie. Donc, j'avais des patients que je soignais en psychothérapie. Et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte à quel point je pouvais induire des réponses ou des comportements à des gens que je connais pas,
que je connaissais pas. Et des fois, les gens me disaient, oui, c'est tout à fait ça qui est en train de m'arriver. Et moi, j'étais pas certaine parce que c'était juste une hypothèse que je levais. Et la facilité, en fait, que les gens ont pour acquiescer un point de vue qui est pas forcément la réalité m'a un peu déroutée. Et du coup, j'ai complètement arrêté de faire ce métier-là pour me refocuser sur ma carrière. Et juste pour revenir sur les chiffres, en fait, c'est souvent le langage des stakeholders, donc des actionnaires. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous dites, dans mon test utilisateur, j'ai eu tel et tel verbatim, les êtres humains sont pas capables d'entendre des avis qui sont différents des nôtres. Par exemple, si vous avez un homme politique que vous détestez, par exemple Trump en ce moment qui atteint des summums en termes de ce qui est dit sur Internet et de détestitude, ben, vous n'allez pas forcément écouter dans son discours tous les trucs qui sont bien et qui sont justes qu'il dit. Je suis sûre qu'il dit pas que des conneries, mais comme vous n'aimez pas, vous n'allez pas être capable de retenir ça. Mais en fait, ça va se passer exactement de la même chose pour vos managers ou pour les top managers. Ils aiment un produit et dès que l'utilisateur va dire quelque chose qui n'est pas sur le produit, il est mécaniquement et par son cerveau et par ses biais cognitifs dans l'incapacité d'accepter ce qui est dit par l'utilisateur. Et en fait, là où les chiffres, ça peut aider, c'est que quand on dit, mais non, mais 80% des utilisateurs, ils veulent ça, et ben là, on est quand même obligé de revoir son point de vue. Tandis que si c'est qu'un seul, la personne va dire, oui, non, mais là, c'était un cas particulier, c'est ton test qui est baisé, etc. On va voir ce mécanisme de défense qui va se mettre en place. Et donc, utiliser le vocabulaire du stakeholder, qui est souvent les chiffres, puisque souvent les décisions sont chiffrées, c'est aussi un bon levier. Et je commence déjà à répondre à une question. Parce que on peut pas non plus baser tous les choix sur que de la stat. La stat, elle doit dire ça, c'est ce qui se passe à l'instant T. Et ça, de toute façon, c'est incontestable. 80% des utilisateurs se loguent avant d'utiliser mon site. C'est incontestable, c'est la vérité. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser la feature se loguer sur le site? On ne sait pas. Et il faut faire du quali, pour comprendre. Mais pourquoi les gens se loguent? Bah parce que c'est obligé. Ah, et si ça y était pas, est-ce que vous l'utiliserez quand même le site? Bien sûr. Et donc, on va pouvoir avec le quali aider à la prise de décision. Et c'est là où il faut être bon en analyse. C'est-à-dire que quand on sait analyser, expliquer ce qui va se passer et prédire ce qui va se passer, les équipes nous font confiance sur comment l'utilisateur va se comporter. Et aussi, il faut savoir pousser au parti pris. Moi, j'ai eu un cas, par exemple, où on s'est rendu compte que la chaussure de fitness qu'on voulait sortir, elle était détestée par 70% des gens. Okay ? Donc, si on se base sur les chiffres, on dit bah, 70% des gens qui l'aiment pas, c'est pas grave. Mais les 30% qui l'aimaient, ils adoraient cette chaussure-là. Ils allaient être des promoteurs de cette chaussure-là. Ils allaient en parler. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas faire le parti pris d'aller contre les chiffres et contre la vie générale pour faire quelque chose qui a un meilleur impact émotionnel? Et ça, c'est vraiment tout le temps des décisions. Mais si on met pas les statistiques dans la balance de la décision, ça, autant faire de l'ego marketing. Moi, je dis souvent, vaut mieux rien faire que faire quelque chose sur lequel on n'est pas complètement satisfait. Clairement, c'est tout à fait clair. Alors, je te propose, Manu, d'intégrer nos amis qui sont en train d'attendre. Alors, Jérôme, Eden et Anaïs, je vais vous ajouter tout de suite sur le live. Et puis, on va prendre vos questions un par un. Salut, Jérôme. Salut, Eden. Et Anaïs, alors attends. Anaïs, j'arrive pas à t'ajouter. À mon avis, il faut que tu te connectes au StreamYard. Ah, voilà. Super. Ah. Bonjour. Alors, on va mettre. Hello à tous. Je n'étais pas du tout prête à être en visio. Tu n'es pas obligée de mettre la caméra. Non, pas de souci. Maintenant que tu l'as activée, alors je vais activer les petits prénoms. Voilà, comme ça, on a plus de repères. Je vous propose de commencer par Jérôme parce que c'est lui qui s'est connecté en premier. Jérôme, as-tu une question pour Manu? Il est en mute. Tu es en mute, ouais. Alors, attends, je peux pas le démuter. C'est bon? C'est super. Ça y est, on t'entend. Ah, j'ai pas de vraiment questions. Là, je prends les infos, je m'abreuve de tout ça. Je trouve ça super intéressant. Je suis super impressionné du parcours de notre interlocutrice, y compris même, je sais pas ce qui m'impressionne le plus, c'est le parcours professionnel ou sportif, parce qu'il est impressionnant aussi. Moi je viens aussi je viens de la recherche, donc forcément j'ai un bon sentiment sur toutes ces ce que tu dis sur l'équilibre des statistiques et du qualitatif, quantitatif. D'ailleurs, j'arrive pas vraiment encore à faire la distinction, et pour moi, tout se complète et donne une cohérence l'un à l'autre, en fait. On est d'accord, oui. Tout à fait. Exactement. Voilà. Donc, non, mais je vous écoute, j'ai pas d'autres questions. Tu viens de faire la recherche de quel domaine?
Alors moi, j'ai des sciences du sport. J'ai fait une thèse en analyse du mouvement humain. Ouais. Alors, voilà. C'est vrai. Donc, vous bossez beaucoup avec des biomécaniciens. À Decathlon, vous bossez beaucoup avec des biomécaniciens. Ouais. Et c'est vrai que dans la recherche sur ce genre de typologie, on est vraiment en permanence en train de faire des méthodes hybrides. C'est-à-dire que tu peux même faire une étude, une seule étude, où il y a à la fois les deux. Dans la recherche derrière. Et après, ce qui est aussi intéressant dans tout ce qui est biométrie, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des corrélations usage technique. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, une corrélation usage technique, c'est-à-dire qu'on va mesurer physiquement ce qui se passe. Donc, on met des capteurs sur le corps humain. Et derrière, on va aussi demander, en termes de perception, comment l'utilisateur s'est senti par rapport à sa propre force. Par exemple, quand on donne un coup de poing, on va demander à l'utilisateur à quel point il s'est senti fort. Et derrière, on va mesurer à la machine quelle était la puissance de son coup de poing. Et on va faire une corrélation usage technique pour essayer de modéliser la force ressentie versus la force vraiment émise. Et en fait, c'est très intéressant de voir comment est-ce que, par exemple, du design sonore, on peut optimiser la perception sans que la force du coup soit améliorée. Et ça, du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle des études hybrides. Pour moi, c'est le parfait exemple où, en fait, on va mélanger plusieurs techniques pour essayer de faire un lien très fort pour expliquer ce qui se passe. Et pour moi, c'est fondamental, je recrute beaucoup de chercheurs. En fait, on bosse avec pas mal de PhD de manière générale parce que la façon dont on apprend en recherche, et j'ai fait de la recherche, j'ai fait des mémoires aussi sur des nanomatériaux, ce qui n'était pas forcément applicable ici, mais en gros, on s'intéresse toujours d'abord à faire un état de l'art propre. Et ça, on a parlé beaucoup avec Mélo. Souvent, quand on lance une étude, on fait même pas l'état de l'art parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le budget, on ne sait pas par quoi commencer. Mais je peux vous assurer d'un truc, c'est que sur tous les sujets sur lesquels vous travaillez, je suis convaincue qu'il y a un article scientifique qui va vous aider sur votre sujet, votre problématique, et que parfois, vous n'allez même pas avoir besoin de faire une étude parce qu'il y a toutes les réponses dans les articles scientifiques. Et donc, il y a des ressources comme Science Direct. Si vous avez des amis universitaires, vous allez pouvoir chercher, que ce soit des problèmes d'affordance, que ce soit des problèmes d'usage sur votre domaine en particulier, sur le sport, sur les jeux de société. J'ai toujours trouvé des articles qui m'ont sauvé, qui m'ont aidé, épargné des mois, voire des années de recherche dessus. Donc déjà, la première étape quand on fait de la recherche, c'est bien faire l'état de l'art. Une fois qu'on a fait l'état de l'art, on écrit ce qu'on appelle un plan d'expérience. Alors du coup, il y a des confusions par rapport au mot expérience. Expérience, quand on dit plan d'expérience, c'est plutôt plan d'expérimentation qu'on devrait dire. C'est-à-dire que par exemple, pour un comportement donné, on imagine par exemple pour le choix d'un jeu que l'âge va jouer, que le sexe va jouer, que l'ancienneté par rapport au jeu va jouer aussi et que notre capacité à jouer va jouer aussi. Et du coup, on va mettre tous ces facteurs comme des hypothèses derrière, on va faire varier les facteurs et on va regarder comment l'expérience est modifiée par rapport à tous ces facteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle un plan d'expérience. Et ça, c'est deux notions qui sont vues dans la recherche universitaire et le quanti pour analyser aussi, que malheureusement, on voit très, très peu dans les filières du X et que je trouve très dommage. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas aujourd'hui cette démarche de recherche et que souvent, on ait des gens qui sont très bons en graphisme qui me disent « bon, je vais faire de la user research », c'est pas pour moi vraiment de la user research, c'est de l'exploration d'insight, c'est de l'interview, c'est du contact avec l'utilisateur, mais j'ai du mal à considérer, parce que je suis scientifique de formation, que c'est vraiment de la recherche utilisateur puriste telle qu'on l'entend dans certains domaines, comme dans les jeux vidéo, où pour le coup, il y a des PhD qui font des études sur ça. Après, ça ne veut pas dire que je suis élitiste ou que je l'entends pas, il y a des boîtes qui peuvent pas se staffer, on demande aux UX de faire trois métiers en même temps, donc c'est tout à fait normal, mais pour autant, j'aurais aimé que dans les formations, on ait un peu plus la culture de comment est-ce qu'on mène vraiment une étude bibliographique, comment est-ce qu'on mène vraiment une étude scientifique. Donc, excusez-moi, j'ai un peu brodé, pardon. Non, enfin, si je peux enchaîner là-dessus, effectivement, c'est comme ça, effectivement, la recherche, effectivement, pour revenir là-dessus, on est bien sur la même longueur d'onde, sur comment on mène une étude de recherche. Ça me rassure, ça veut dire qu'il y a peut-être de la place aussi pour des profils scientifiques. Ah, mais absolument. Absolument. Et là, pour mon stage, je suis en train de recruter plutôt une ingénieure cogniticienne. Parce que, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce métier-là, et je trouve que la discussion est assez intéressante. Il y a une formation qui est ingénieur cogniticien, et en fait, ils font de l'UX. Sauf qu'ils l'appellent pas UX, parce que UX, on se rend compte qu'il y a plein d'entreprises qui ont du mal avec ce terme-là, parce qu'ils ne savent pas si c'est de la UI, de la UX. Enfin, ça devient compliqué. Il y a de plus en plus d'articles, y compris aujourd'hui sur LinkedIn, qui disent que l'UX, c'est une philosophie de travail et pas des méthodes particulières. Donc après, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais ça explique un petit peu et ça illustre aussi le fait qu'il y a un besoin de recourir à des profils ingénieurs, des profils un peu scientifiques pour faire des études, parce qu'on cherche à prédire.
On cherche vraiment à dire, mais par cette étude-là, qu'est-ce qui va se passer? Je prends souvent l'analogie sur un pont. Moi, quand je travaillais sur les matériaux, je modélisais un pont sur un logiciel, j'appliquais des forces et puis je voyais jusqu'à où je pouvais aller en termes de poids. Mais sur le comportement humain, il faut faire la même chose. Nos études doivent permettre de prédire par où va passer l'utilisateur et combien d'utilisateurs mon produit peut porter. Je prends une analogie qui est un peu tirée par les cheveux. Et donc, il y a un besoin pour pas mal d'entreprises qui sont aujourd'hui matures, et on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup d'entreprises matures sur l'UX, d'avoir un besoin d'un peu plus de background en ingénierie. Et alors, ça paraît chiant, l'ingénierie, comme ça quand on vient de culture plutôt graphisme ou web design, mais c'est pas si compliqué que ça, honnêtement, d'avoir juste les bases pour faire des user research derrière. Je pense que Mélo, au travers de nos échanges en quelques temps, tu as pu catcher des trucs qui sont assez intéressants et que tu peux appliquer. Et surtout, en fait, ça va potentialiser votre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément à un niveau stratégique, vous êtes dans l'opérationnel. Nous, des fois, on appelle ça des poseurs de pixels. Quand l'UX va juste déplacer des boutons, changer des couleurs, etc. Il y a une strate très opérationnelle. Et quand on a une strate opérationnelle, c'est dur de se faire entendre par les managers, c'est dur de se faire entendre par les stakeholders. Alors que dès qu'on va commencer à faire un peu plus de stratégie, à arriver sur des strates où on va vraiment plus dans la décision, c'est là où on peut obtenir du budget, c'est là où on peut obtenir aussi des ressources pour se faire aider. Parce que, en fait, sinon, on va continuer à être tout seul pour faire 5 métiers. Parce qu'on va continuer à déplacer des pixels selon les bons vouloirs des uns et des autres. Yes. Merci beaucoup, Manu, pour cette première réponse à ta non-question, Jérôme, mais qui, en fait, en était une. Et merci de participer à ça. Est-ce que, Eden, tu avais un sujet que tu voulais aborder? Ah. Alors, on ne t'entend pas. Et pourtant, ton micro est on. C'est le casque? Ouais, le casque qui est buggé. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ah, ok, top. Attendez, je vais fermer la porte. J'avais une première question. Manu, quand tu parlais de la licence justement en psycho, du coup, j'ai vite été jeter un œil à distance, ça m'intéresse pas mal. Malheureusement, elle n'est plus disponible, ils ont arrêté de la faire à distance. Donc, ça, c'était plus une question large par rapport à si quelqu'un d'autre a des ressources là-dessus. Voilà, je suis preneuse. Peut-être que ça peut intéresser d'autres gens aussi. Ouais. Donc, voilà, ça c'était plus de l'info. J'avais une autre question. C'est vrai que dans le cadre d'une formation, en général, on nous sensibilise bien plus effectivement à la recherche et donc qualitative. Ouais. Et moi, je me pose. Alors, je suis totalement d'accord. Avec tout le monde, je pense, pour dire que les études hybrides sont vraiment complémentaires et nécessaires pour parler à différentes personnes et pour appuyer des insights qu'on pourrait recevoir en quali ou en quanti. Maintenant, je me demandais vraiment comment est-ce qu'on fait du quantitatif concrètement. Est-ce que tu connais des ressources pour apprendre ça? Parce qu'on s'aperçoit très vite que c'est un vrai métier. Il y a d'ailleurs des entreprises qui proposent des services là-dessus. Et c'est vrai que moi, je me sens pas très à l'aise pour en retirer en fait des statistiques. Et je pense que c'est vraiment un truc qui s'apprend. Ça s'apprend bien. Et là, je suis en train de former une stagiaire qui n'avait pas forcément au début les bases sur les statistiques. Et en fait, on va commencer basiquement par faire des moyennes et des écarts types, ce que je pense qu'en général est facile d'accès. Et après, c'est là où ça se complique. C'est-à-dire qu'on va commencer à s'intéresser à des p-values qui vont mesurer la significativité. On va s'intéresser aussi à analyser des coefficients de corrélation entre deux items. Parce que, par exemple, ce qui est intéressant, là, j'ai lu une étude sur le Covid, qui disait qu'en fait 44% des jeunes de moins de 30 ans vivaient bien le Covid, mais que 39% le vivaient très mal. Ok, donc on a ce fait-là qui est intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mais ces 39% qui le vivent très mal, c'est quoi l'indicateur? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est la catégorie socio-professionnelle? Est-ce que c'est le lieu de résidence qui est important? Et du coup, pour savoir si c'est ça, j'aurais besoin de faire une corrélation entre le résultat que j'ai eu sur ces paramètres-là et la conséquence que j'ai. Parce que sinon, j'ai juste un chiffre où je dis, bah, ok, 39% des gens... ils vont pas bien. Mais je sais pas dire comment c'est applicable, je sais pas donner d'explication. Et du coup, dès qu'il s'agit de faire des corrélations, c'est là où ça se corse et il faut faire des études un peu plus poussées. Et après, il y a un troisième niveau. Donc, premier niveau, c'est juste de faire des triplats avec des moyennes, des écarts types. Je pense que c'est assez accessible sur Excel. Et après, il y a un niveau 2. Et après, il y a un niveau 3 qui est de faire de la modélisation avec des data scientists. Et ça, j'en suis bien incapable de le faire. Je me fais toujours aider par des data scientists parce qu'il y en a dans mon équipe. Et souvent, en fait, il y a des gens dans des services qui savent faire des stats.
Ça, c'est déjà à la compta. Si tu galères à faire une moyenne, tu dis j'ai besoin d'une moyenne et d'un intervalle de confiance. Je pense que tu peux te faire aider, te former. Et une fois que tu as le script sur le fichier Excel, tu peux l'appliquer. En fait, ce qu'il faut comprendre sur les stats, c'est que ça sert à rien de connaître les formules. Absolument à rien. Et c'est souvent ce qui fait peur aux gens. Il faut comprendre qu'est-ce que ça décrit une p-value, par exemple. Qu'est-ce que ça décrit correctement une moyenne? C'est quoi la différence une moyenne et une médiane? Je prends des termes très simples. Bon, je ne vais pas faire un cours sur les stats non plus, j'en serais bien incapable. Et juste pour te donner des idées de ressources. Tu as plusieurs façons de faire. La première façon de faire, c'est de trouver des gens en interne qui vont t'aider. Et je suis sûre qu'il y a des gens en équipe qui vont te dire, qui vont t'aider là-dessus. Ensuite, c'est de se faire ou des copains data scientist ou des copains statisticiens. Ça peut aider aussi, en général. Après, tu peux ou passer par un prestataire. C'est-à-dire, moi, je passe par Made in Survey, qui est, bon, je suis désolée de faire la publicité pour eux, mais je fais toutes mes études avec eux quasiment depuis 15 ans, qui sont en fait un panéliste, qui te mettent à disposition 500 000 personnes en France. Donc, j'ai toujours des gens dans les critères que je veux, même quand c'est du B2B, même quand c'est des sujets compliqués, j'arrive toujours à trouver des gens. Et eux, on discute ensemble de la méthodologie d'études. Et ils ont des logiciels qui vont faire automatiquement l'analyse, comme SPSS, par exemple, qui est un logiciel qui fait tout seul. C'est-à-dire, il te dit, tu dis, je veux ça, et il te le fait. Donc, tu n'as même pas besoin de comprendre comment ça marche. Pour toi, ça peut être une boîte noire, et c'est OK si c'est une boîte noire. Il faut juste comprendre à quoi ça sert et qu'est-ce que ça t'a montré. Et ensuite, donc, tu passais par des partenaires, tu as des cours de marketing qui expliquent ce que c'est. Et en fait, moi, souvent, je dirais pour lui que je me suis presque plus formée sur des bouquins de marketing que sur des bouquins de UX parce que ça n'existait pas à l'époque. Et en fait, sur le marketing, les concepts de persona, de test utilisateur, tu as tout ce qu'il faut, en fait, dedans, derrière. Après, tu as des bouquins sur les stats comme méthode et test en psychologie qui va t'aider à comprendre quelques petits concepts de base juste sur comment on manipule un petit peu les chiffres derrière. Et après, là, je suis en train de tester une formation, alors je suis désolée de faire de la pub pour Udemy, qui s'appelle Statistiques pour l'UX. Et je suis en train de juste la tester, je ne sais pas ce que ça vaut encore. Ok. Ok. Voilà. Donc ça, et après, je pense que j'ai pas aujourd'hui... Alors si, j'ai trouvé un organisme de formation qui formait à la stat. Il faudrait que je te le retrouve. Et eux, c'était la première fois que je voyais des gens qui parlaient de fiabilité, de validité d'un questionnaire, de fidélité d'un questionnaire, et ça, et de sensibilité d'un questionnaire. Et quand tu vois ces mots-là, tout de suite, tu sais qu'on va bien te former. Si tu vois des formations sur les tests utilisateurs où il n'y a aucun de ces mots-là, autant lire un bouquin. Enfin, c'est de la perte de temps. Et il faut qu'il y ait ces mots-là qui apparaissent dans ça. Donc voilà, j'essaierai de te retrouver la référence de la formation, mais il me semble qu'elle était un peu chère. Je ne sais pas si c'est dans les budgets. Et après, avoir des gens qui sont calés, qui peuvent passer du temps à te mentorer sur ces thématiques-là, c'est aussi une bonne façon. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et j'ai une de mes amies qui travaille encore chez Decathlon, qui est très calée en statistiques. J'y pose des questions, des fois. Tu vois, genre juste pour verrouiller ça. Les réseaux sociaux LinkedIn peuvent t'aider. Je veux savoir la corrélation entre ça et ça, comment je fais. Parce que sinon, en fait, le risque sur le quanti, c'est de se disperser. C'est-à-dire que tu as tellement d'informations, ils te sortent des formules, tu vas te perdre, tu vas plus avoir envie de faire et puis tu vas abandonner dans 2 semaines. Quoi. Ouais. Je l'ai complété en disant que ça dépend aussi de ton ambition en tant qu'UX, à quel point tu veux intégrer la recherche dans tes compétences, à quel point tu veux être capable de pouvoir faire des recherches hybrides ou pas. Et de te positionner là-dessus. Donc, tu vois, si faire de l'étude hybride, toi, tu veux simplement avoir la compétence qui te permet d'identifier tous les moments où tu as besoin d'intégrer du quanti, typiquement, être là sur ce genre de moment, poser des questions, commencer à aller se former, poser des questions aux gens qui ont l'expertise, ça va largement te suffire. Si par contre, tu veux être autonome sur ce sujet, effectivement, il faut se former et aller plus loin dans cette idée. Et ça dépend aussi énormément de ton entreprise. Ouais. Est-ce qu'il y a la compétence? Est-ce qu'il n'y a pas la compétence? Est-ce qu'il y a le budget aussi? Alors, bien sûr, est-ce qu'on a la place? Est-ce qu'on va te laisser la place de le faire? Et puis, si au début, on ne te laisse pas la place, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça veut peut-être dire qu'il y a un travail pour les initier, à ce que ça pourrait leur apporter. Et pour les initier, toi, ton travail de début, de dire, tiens, je vais aller chercher tel conseil envers un expert, il va me filer 2-3 tips, et moi, je vais pouvoir les mettre en application sur mon projet, c'est déjà un début. C'est imparfait, mais c'est déjà un début. C'est mettre le pied dans la porte pour commencer à faire la démonstration de l'importance de l'hybridation de ton étude. Donc, je pense à chacun aussi de se poser la question de où est-ce que je veux aller en termes de carrière et aussi comment je me positionne dans mon entreprise, quel rôle je prends dans l'entreprise.
Moi, j'ai commencé avec Eurotin, qui était, en fait, c'est le plus grand laboratoire de tests utilisateurs en France. Hein. Ils ont testé de tout. Ils sont impressionnants dans leur, ils ont une capacité de test. C'est vraiment des locaux, on dirait une usine, mais c'est une usine qui fait que des tests utilisateurs. Et en fait, c'est eux qui m'ont formé. C'est-à-dire qu'au début, on a fait une étude ensemble. Par curiosité, j'ai posé plein de questions. Ah, mais comment tu fais cette approche holistique? Comment tu présentes ça? Et petit à petit, en fait, tu te formes par le contact. Mais il ne faut pas essayer d'y arriver du jour au lendemain parce que sinon, c'est, enfin, c'est saturation et c'est trop ambitieux, je pense. Mais honnêtement, déjà, une petite étude quanti, 10 questions à analyser juste sur les moyennes, ça, je pense que tu peux le faire. Tu peux même tenter un Google Form sur LinkedIn et tu commences à te familiariser. Naturellement, en ce moment, il y a une étude sur LinkedIn. J'ai très envie de leur poser la question qui est par Ludotique pour savoir la pratique de l'UX pendant le confinement. Ils disent on n'a que 50 personnes, on a besoin de plus de monde pour répondre à ce questionnaire-là. Et moi, j'avais envie de leur poser la question, mais combien il vous en faut, à votre avis, pour que votre questionnaire il soit fiable statistiquement? Parce qu'en plus, quand on recrute sur LinkedIn, on sait qu'on a une cible de l'UX qui est présente sur LinkedIn et qui n'est pas représentative, parce que c'est souvent des freelances qui parlent beaucoup d'eux. Les gens qui sont déjà matures en entreprise, ils vont très peu sur LinkedIn pour voir, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de bullshit. Donc, ils y vont plus, en fait. Et ils font plutôt des rassemblements entre eux, ils se forment entre eux, mais ils vont plus sur LinkedIn là-dessus. Donc, est-ce que le résultat d'étude sera représentatif? Et à partir de combien de personnes, sachant que l'audience est très dilapidée, puisque tu as des UX qui viennent du web design, tu as des freelances, combien ils vont avoir de personnes pour faire ça? Et ça, ce genre de questions, il faut se les poser. En fait, c'est plus l'esprit de démarche et de logique scientifique qui est intéressant que d'avoir les réponses dans un premier temps. C'est toujours se dire pourquoi et l'intérêt et qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça vraiment la démarche scientifique avant même de comprendre les outils statistiques qu'il faut pour. Parce que ça, c'est juste un outil. Mmh. Ouais. Je vais juste rebondir sur la question sur les facs de psycho. Il y avait aussi la fac de psycho, il y en a pas mal qui font à distance. La plus renommée, c'est celle de Paris, parce qu'en fait, on peut avoir une licence facilement, mais les masters à distance, il n'y a que celle de Paris qui le faisait il y a un an. J'espère que c'est encore le cas. Et en tout cas, celle-ci est recommandée. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des facs de psycho qui sont encore très psychanalytiques. Alors, bon, j'ai mes convictions personnelles et je vais essayer de passer outre ici. Mais en gros, tout ce qui va être trop psychanalytique, ça va être un peu de l'ordre de l'astrologie, sans vouloir être trop péjoratif par rapport à ça. C'est-à-dire que, en gros, il y a des grands concepts comme le complexe d'Oedipe qui sont présentés et qu'il faut apprendre par cœur, alors que le concept d'Oedipe, aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer clairement ce que c'est, on n'arrive pas à le mesurer, on n'arrive pas à valider. Enfin, j'ai 3 enfants et j'ai jamais vu le complexe d'Oedipe nulle part. Et en fait, il y a juste une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si on croit que le complexe d'Oedipe marche, on va considérer son enfant comme si, enfin, et en fait, c'est encore un biais cognitif derrière. Et en fait, le fait que pour moi, il y ait des facultés qui continuent à enseigner des choses peu fiables ou peu réalistes, ça n'a pas sa place pour moi dans l'UX. Et du coup, ça évite d'avoir des discussions de comptoir avec les équipes où on vient placer des concepts psychanalytiques pour expliquer des comportements consommateurs, ce que je crois qu'il faut absolument pas faire, en fait. Donc, je mets juste un petit bémol là-dessus. Attention aux facs qui sont un peu trop psychanalytiques. Après, chacun libre de sa conviction là-dessus. Yes, merci beaucoup Manu pour ce petit point d'alerte. Après, chacun pourrait faire ses choix en toute conscience. Anaïs, est-ce que tu avais une question pour Manu? Moi, pas forcément de questions non plus, mais plein de choses avec lesquelles je suis complètement alignée. Moi, je viens d'un institut d'études, donc du coup... formation quali aussi, mais surtout quanti. Et c'est vrai que ça me fait toujours un peu sourire quand au contact de clients ou des fois quand on dit je viens d'institut d'études. Ah, et maintenant vous êtes dans l'UX, mais du coup ça n'a rien à voir. Et bah si, en fait, c'est-à-dire que c'est complètement la même chose, sauf que le terme UX, c'est vrai que c'est le digital se l'est un peu approprié au début. Bon, là je pense que ça commence quand même à faire un petit peu sa place au fur et à mesure. Mais voilà, donc du coup j'ai été très agréablement surprise par l'étude de cas proposée par Emmanuel où j'entendais plein de termes de représentativité, de quotas, de choses comme ça avec lesquelles j'étais super super à l'aise et du coup pour rebondir aussi sur la question d'Eden sur comment faire comment on s'en sort un petit peu avec le quanti. Je pense qu'effectivement, il y a toute la réponse d'Emmanuel, surtout sur la phase aval, l'analyse, etc. Et ce que je rajouterais, du coup, si je peux me permettre, c'est aussi toute la phase amont de construction de l'échantillon qui est aussi super importante et qui va vraiment influencer complètement les résultats, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, en
encore une fois, et c'est normal, qui ne sont pas à l'aise avec le quanti, qui ne connaissent pas trop et qui vont se dire « Ah bah le quanti, c'est juste interroger plus de monde. » Donc là, j'interroge 100 personnes et du coup, j'ai un quanti. C'est effectivement un petit peu plus complexe que ça et ça va dépendre des objectifs, de la cible qu'on veut interroger. Mais du coup, c'est important d'avoir un échantillon qui soit bien construit pour qu'après… parce que autant sur le quanti, on va vraiment s'interroger à l'individu en lui-même qu'on va interroger, autant sur le quanti, on va plus… on va dire se concentrer sur la masse d'individus, si je peux dire. Et du coup, bah, c'est important que cette masse soit bien calibrée, quoi. Clairement. Voilà, pas spécialement de questions, mais en tout cas, voilà. Ah, merci, non, c'est important de complémenter parce que souvent, en fait, dans les formations, moi, j'ai que des gens qui viennent du Cali. Et à chaque fois, j'ai face à moi des étudiants qui me regardent en disant « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi ?» Et en fait, quand on vient du quanti, en fait, c'est tellement évident. Et on regarde ça avec de la dérision, on rigole. En fait, les gens réagissent même plus sur les réseaux sociaux quand il y a des gens qui sont trop quali. Parce qu'en fait, on est habitué depuis longtemps à voir ça. Et il n'y a plus de révolte et d'indignation par rapport à ça. Alors qu'avant, il y en avait un petit peu. C'est-à-dire que quand il y avait des gens qui disaient « Ouais, j'ai fait un test utilisateur sur 6 personnes, la note, c'est 6 sur 10. » Et là, tout le monde se regardait et disait « Mais elle est folle, pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle donne une moyenne sur 6 personnes ?» C'est impossible. Et en fait, là maintenant, malheureusement, sur LinkedIn, les gens qui viennent du quanti réagissent même plus quand il y a des trucs comme ça. Enfin, et du coup, les gens s'auto-complaisent en fait, dans un système où il n'y a que du test U derrière. Et des fois, le test U à l'arrache, il est important. Moi, je fais souvent des pré-tests U qui sont complètement n'importe quoi, avec des pas de stats ni rien, mais juste pour explorer ma méthodo ou pour déblayer du terrain. Et c'est OK avec ça, mais il faut être clair et pas vendre n'importe quoi. Parce que le jour en fait, où l'entreprise se rend compte que vous avez merdé sur la méthodologie, vous êtes foutu. Vraiment. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois où, en fait, il y a le responsable data, hop, qui rattache à mon service. Et là, vous faites comment quand vous avez donné des stats sur 6 personnes? Vous êtes complètement. Plus crédible, plus crédible. Vous êtes grillé. Quand vous bossez dans des boîtes comme AXA, et si vous commencez à faire juste du. Enfin, qui ont l'habitude de faire des tests utilisateurs et que vous sortez des chiffres sur 6 personnes, mais ils vont vous regarder en vous disant merci, au revoir. Enfin, et c'est dommage. Enfin, c'est dommage de se couper de ça. Ouais. Mais même parfois, c'est parfois pire que ce que tu dis. C'est-à-dire que, effectivement, on se manifeste, enfin, les personnes, comme tu disais sur LinkedIn, du quanti, vont moins se manifester, etc. Mais j'ai même, moi, déjà entendu, ah oui, mais ça, c'est un petit peu trop rigoureux. Peut-être qu'on peut essayer de faire les choses un petit peu plus facilement. Oui, on peut essayer de faire les choses facilement, mais avec rigueur. Moi, c'est moi, la réponse qui me fait le plus mal là-dessus, et je vais arrêter là-dessus, c'est quand les gens me disent, mais j'aime pas ça, donc je ferai pas. Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on a un chef de produit qui me dit, bah, je sais, les gens aiment pas ça, mais je fais pas. Je continue comme je fais. Et en fait, on se met ou on fait pas de l'UX sur nous-mêmes, en fait. C'est pas une question de est-ce que vous aimez ce que vous faites, c'est une question, on vous demande de faire quelque chose, et non, j'aime pas, bah, je le fais mal. Non, c'est pas du tout user-centric, en fait. C'est bien s'intéresser à ce que veut notre utilisateur au final. Ouais. Bref. Je pense que le plus important finalement quand on fait de la recherche, qu'on vienne du quanti ou qu'on vienne du quali, c'est en fait de bien travailler sur les limites et de bien remettre dans le contexte l'objectif avec lequel on a fait notre recherche et ce que ça nous permet de récolter, et de bien permettre d'identifier aux personnes à qui on va donner cette étude, pour qu'il y ait le moins d'interprétations possible, de leur dire bon, moi je te donne telle réponse qui te permet de prendre tel genre de décision, parce qu'en quanti, en quali, on ne va pas prendre le même genre de décision derrière, et de bien leur montrer que s'ils veulent prendre tel autre type de décision ou avoir tel autre type d'information, eh bien, faudrait faire les choses autrement. Donc, si j'ai fait du quali, aller voir du côté quantitatif, si j'ai besoin de valider des choses, d'avoir des mesures, etc., et vice-versa. Et aujourd'hui, je pense que même si tu fais que du quali ou tu fais que du quanti, c'est juste de travailler sur bien délimiter ce à quoi sert ton étude pour pouvoir bien le communiquer et éviter de faire du bullshit. Moi, c'est ça qui m'anime, c'est de limiter le fait de faire du bullshit. Malheureusement, quand on ne sait pas, on peut faire du bullshit. Et c'est aussi l'intérêt de faire ce genre d'échange, c'est de bien prendre conscience que ce qu'on fait, on le fait avec les moyens qu'on a, avec les moyens que l'entreprise nous donne aussi, mais bah, si on n'a pas les moyens idéaux, ça veut certainement dire qu'à un moment donné, il y a une limite. Il y a des choses où il y a peut-être encore un petit peu de flou. Bah, maintenant, s'il y a du flou, on travaille avec, ou on décide en tout cas d'aller faire l'étude qui permettra d'éclaircir ce flou-là, mais au moins
On n'est pas là à se mettre des œillères, à se dire « Non, ça n'existe pas, je ne regarde pas, je ne vois pas » ou encore pire « Je ne fais pas parce que je n'aime pas » ou « Je ne fais pas parce que je n'aime pas faire » et « Je fais comme si ça n'existait pas ». Mélo, j'aimerais juste rebondir et une minute pas plus sur le mot que tu as utilisé qui est le mot « limite » et qui est pour moi fondamental sur l'UX. En fait, un bon UX designer, pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience de ses limites hein, et c'est surtout quelqu'un qui dit « Je ne sais pas ». Je sais pas. Et ça, c'est hyper important. Et en plus, là, je m'inquiète un peu par rapport à l'avenir de la société où, en fait, on sait, il y a plein de choses qu'on sait pas sur le coronavirus. Mais alors, tout le monde s'exprime dans tous les sens. On voit les biais cognitifs tels qu'ils sont. C'est-à-dire, j'aime pas Macron, Raoul est contre Macron, donc je suis d'accord avec ce que dit. Et en fait, on est même plus sur de la logique rhétorique. Enfin, on est sur de la réaction émotionnelle qui se traduit par un jugement ou par un comportement. Et ça, sur nos métiers, on commence à le voir aussi un petit peu apparaître. C'est-à-dire, les gens, ils disent, bah, non, c'est comme ça. Et avec des grandes certitudes. Mais la force, en fait, d'un UX, c'est de dire, je sais pas, et je vais faire une étude. Cette étude, elle a des limites. Il n'y a pas une étude qui est parfaite, elle a des limites. Je fais une étude sur des 18-45 ans, je ne sais pas ce qui se passe pour les 45-60 ans. Et ce n'est pas grave, on est OK avec ça. J'ai recruté sur LinkedIn, ben j'ai une partie de la population qui n'est pas représentative, mais ce n'est pas grave, je suis OK avec ça, avec cette limite-là. Et aussi, dire que nous, chacun, on a nos limites. Moi, il y a des études que je ne sais pas bien faire, des entretiens qualitatifs, donc des interviews avec des nanas qui viennent du luxe, c'est pas ma tasse de thé. Je suis complètement étrangère. Elle me parle un vocabulaire que je comprends pas. Quand je bossais pour RS, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de faire les entretiens à ma place parce que j'étais infoutue de le faire. Et je crois que reconnaître nos limites, les limites de nos études, et ça, c'est ça qui nous met vraiment dans une position d'empathie avec les utilisateurs, qu'on fasse du quanti ou du quali, en fait. Ouais. Et j'ai envie de dire que sur la recherche, mais aussi quand on va dans la conception, ça marche aussi de savoir dire, bah écoute, là-dessus, je vais pas être capable de te faire des préconisations, je vais pas être capable d'animer comme il se doit un atelier. Je rebondirai là-dessus en disant qu'en fait, on peut avoir une place tellement stratégique parce que on est ce point central qui va permettre de récolter la connaissance utilisateur et ensuite d'envoyer des préconisations pour traduire cette connaissance utilisateur en un produit ou en un service. On est quand même une sorte de plateforme finalement qui prend ces données pour les renvoyer. Enfin, en tout cas, je le vois un petit peu comme ça. Il y a un peu ce truc de je prends des choses, je les renvoie, je prends des choses, je les renvoie. Et ça devient une place stratégique, qu'elle soit reconnue ou pas. On est bien d'accord qu'elle soit reconnue ou pas, mais de toute façon, elle a cette place-là. Donc, ayant ce rôle de plateforme, si on veut bien faire notre travail, si on veut être bien perçu dans l'entreprise, si on veut que notre travail soit perçu comme étant qualitatif et de confiance, c'est aussi savoir à un moment donné dire « Ah là, non ». Je ne peux pas t'apporter la réponse. Je ne peux pas te donner la préconisation. Je ne peux pas te donner la donnée. Je ne peux pas t'apporter le verbatim qui va bien. Et c'est ça aussi pour moi, faire un bon UX, c'est se reculer à un moment donné, en fait. Ouais. Sinon, en fait, on va commencer à faire des choses à l'arrache et après, c'est impossible de se sortir de ça. Moi, il y a combien de fois les gens me disent « Mais si, mais fais-le, mais c'est mieux que rien. » Je dis « Non, mais c'est mieux que rien. C'est le pire truc que tu peux me dire, ça me braque. » Parce que si on commence à mettre le doigt dans « c'est mieux que rien », on va continuer à faire les tests utilisateurs sur deux personnes. Et c'est ce qui arrive des fois quand on fait un design sprint. « Ah ben j'en ai cinq qui ne sont pas venus. Eh ben on ne fait pas. En fait, on reporte. Tant pis pour le planning. Mais moi, je refuse de donner des résultats si mes résultats ne sont pas fiables. Enfin, c'est un problème de décision. Si on a pas, autant rien faire, en fait. On se gagne du temps et on assume nos partis pris. Et souvent, en fait, ça manque de courage de la part des équipes managériales qui nous demandent de faire les tests utilisateurs sans budget pour se dédouaner des responsabilités des tests qu'ils vont faire. Alors déjà, quand le test il va à l'encontre de ce qu'ils disent, c'est compliqué. Ils vont aller commencer à fouiller. Je te vois sourire, Anaïs, parce que tu l'as déjà vécu. Mais ils vont aller fouiller pour voir à un moment donné où c'est qu'il y a une mini-faille, où est-ce que le résultat est contradictoire, où ils vont aller extraire. Mais en fait, les filles, oui, elles ont été d'accord, alors que les mecs, ils ont dit non. Donc on va tourner l'étude, on va remontrer que les résultats pour les filles. On va mettre les « ne se prononce pas » avec les « oui », comme ça, c'est fait. Et en fait, les gens, dès qu'on a une étude qui est pas bonne, c'est ça. Et du coup, je vous invite vraiment à avoir cette attitude-là de dire, j'ai pas les moyens de faire mon étude, je vais pas commencer à déroger dès maintenant, parce que si je déroge maintenant, je suis foutue. Ouais. Effectivement, quand on a des personnes un petit peu comme ça, qui sont un petit peu finalement dans la manipulation, hein, faut se le dire, on pourrait être un outil qu'on manipule pour avoir les données qui serviraient, j'ai envie de dire un ego presque, ou une envie, ou même sans aller dans l'ego, tout simplement en étant dans le fait que la personne est tellement amoureuse de son idée qu'on pourrait nous utiliser pour aller chercher les données pour valider l'idée.
c'est là où je compléterais ce que tu dis en disant qu'il faut être assez fort dans nos convictions et dans ce qu'on sait, ce que peut apporter la recherche, pour dire bah non, là en fait tu me demandes juste de faire un micro machin pour valider ton approche, pour valider ta stratégie, pour valider la direction que tu es en train de prendre. Non, je ne sers pas à ça. Je ne sers pas à soutenir une voie, je sers à soutenir le projet qui va servir les utilisateurs. Je ne fais pas un petit machin juste comme ça sur le bord de la table pour aider ta mission presque politique en interne, quoi. Et ça, personnellement, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Et face à ce genre de personnage, voilà, faut un peu sortir les muscles, enfin, ou en tout cas, voilà, être bien droit dans ses bottes du X pour dire bah non, je ne sers pas à ça, c'est pas mon rôle. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une question de gros ego. Je pense qu'il y a aussi un côté humain un peu naturel. On parlait de biais tout à l'heure, où quand c'est ton projet, en fait, t'as beau essayer en fait de le faire. Enfin, nous, c'est pour ça qu'on déconseille toujours que la personne qui fait le projet ne mène pas les entretiens, parce que même avec la meilleure volonté du monde, tu vas forcément induire des choses, quoi. Je pense que c'est humain, quoi. C'est sûr. Et moi, ce que ça me dit, c'est pourquoi j'ai arrêté mon activité de consulting pour travailler chez Asmodée, parce qu'un jour, j'ai un manager de top management qui m'a dit bah, en fait, je me suis trompée. Et en fait, quand face à moi, j'ai des N plus machin chose qui sont tout en haut et qui me disent en fait, je me suis trompée sur ce que j'avais proposé à l'utilisateur, je me suis dit mais je veux travailler pour eux en fait. Et depuis, je suis heureuse. Enfin, dans mon boulot, je suis écoutée, j'ai ma voix à dire, l'utilisateur est écouté. Et ça, pour moi, c'est un marqueur de maturité du X en fait, quand l'équipe dirigeante est assez OK pour dire en fait, l'utilisateur m'a montré que j'avais tort et j'accepte d'avoir eu tort. Et ça, pour moi, c'est une preuve d'intelligence en fait. Ouais. Une preuve d'environnement propice à bien faire notre métier. Je vais ajouter Sylvie qui vient de nous rejoindre. Sylvie, je t'ajoute. Il y a des questions déjà. Il y en a plein que j'ai pas répondu. Alors juste, c'est Eurofine. Eurofine, c'est aussi la même chose. Ils le font. Mais Eurofine, en fait, c'est un laboratoire qui est impressionnant. Ils ont par exemple des cabines de test utilisateurs où ils peuvent faire rentrer 6 voitures. Donc, je ne sais pas si vous voyez la taille des locaux derrière. Et ils sont hyper souples. Ils ont des techniques de ninja pour faire les tests utilisateurs. Et si vous avez l'occasion de visiter le centre, c'est juste impressionnant. Et c'est Eurofine. Eurofine, c'est aussi la même chose. C'est l'analyse sensorielle. Bonjour Sylvie. Yes. Hello Sylvie, est-ce que tu as une question, un sujet que tu voulais aborder pendant ce live? Non, bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai mal à rejoindre le StreamYard parce que je ne trouvais pas le lien. Donc je suis depuis Facebook en décalage. Mais tout ce que j'ai entendu m'intéresse énormément, et notamment sur la partie se former en stats qui est intéressante. Non, j'ai pas de questions. En tout cas, bienvenue. Il y avait une personne qui me posait sur où je donnais des cours. Alors, en fait, j'évite absolument de communiquer là-dessus parce que j'ai pas mal de demandes et je veux pas me disperser non plus. Je suis intervenante au Gobelin et à Rubika. Voilà. Et du coup, je fais test utilisateur chez Rubika sur 2 jours. C'est assez intense parce qu'on voit vraiment le test utilisateur un peu à l'arrache. En fait, l'interview avec Tash au début jusqu'au vrai test utilisateur avec la méta-analyse, avec des données, etc. Donc, on essaie d'aller assez loin sur 2 jours. Et à Gobelin, j'interviens sur tout ce qui va être design émotionnel, gamification et psycho pour l'UX. Enfin, j'appelle ça plutôt neurosciences pour l'UX pour un peu dégager tous les aspects un peu psycho. Bullshit qu'on peut voir, un neurobullshit qu'on peut voir sur Internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Combien de personnes minimum pour combien de personnes à faire? Alors, ça, c'est la question à 1000 euros. J'ai toujours la même phrase à chaque fois. C'est s'il y a une personne qui vous répond un nombre après cette question-là sur combien de personnes il faut, elle vous ment. OK? Il n'y a pas un nombre idéal pour une méthodologie de façon générale. Ça se vérifie aussi a posteriori. Je vois Anaïs qui fait oui. Mais en fait, on sait que le test utilisateur est bon quand, par exemple, on a une bonne p-value sur un test. Et moi, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des super résultats à partir de 35 personnes et des fois de galérer, de devoir monter jusqu'à 100 personnes pour avoir des résultats qui sont significatifs, en tout cas, entre deux produits assez robustes. Mais ça, moi, j'ai des conseils. Alors, je suis pas très contente de vous les donner, mais en général, un test utilisateur, s'il s'agit de détecter des problèmes, je recommande d'avoir entre 5 et 10 personnes pour être sûr qu'on a bien détecté tous les problèmes. Mais je parle bien de détection de problèmes. Je ne parle pas d'évaluation de la préférence, d'évaluation d'une feature ou de ressenti. Ça, pas sur ce nombre de personnes-là. Guillaume Grenier et Karine Lallemand recommandent 15 personnes
par cible. Par cible, ça veut dire qu'il y a très peu de cas où vous allez avoir que 15 personnes. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes sur la cliente de luxe qui achète 5000 euros de maillot par an et qui vit à Paris, ouais, ok, vous pouvez en prendre 15. Mais par contre, si vous êtes sur l'utilisateur de carte de crédit, vous allez être mal barré, les amis, pour en avoir que 15, parce que la cible, elle est hyper vaste. Donc, c'est bien par cible. Ensuite, un test. Moi, usuellement, je ne fais pas trop de quanti en dessous de 1000 personnes. Parce qu'on a toujours des sous-composants dans les réponses à les venir traiter. Par exemple, si je veux étudier les utilisateurs de Nintendo, de PlayStation et de Xbox, ben, si je prends 1000 personnes de joueurs de jeux de vidéo, je vais peut-être en avoir que 30% qui sont joueurs de Nintendo Switch. Et donc, j'ai peut-être pas assez de personnes pour commencer à avoir des résultats robustes sur mon étude. Donc, en général, c'est de grandes quantités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'une étude, il est pas, ça fait pas une exponentielle par rapport au nombre de personnes. Il est plutôt même logarithmique. C'est-à-dire que plus, ça commence à devenir cher, mais à la fin, entre 1000 et 1500 personnes, on va voir les écarts de prix se réduire. Et des fois, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher. Il vaut mieux, par exemple, enlever 3 questions plutôt que retirer 300 personnes sur un questionnaire en ligne. Donc, il y a des chiffres comme ça que j'aime bien utiliser. La préférence, c'est compliqué de faire une préférence en dessous de 100 personnes. Savoir quelle est... d'ailleurs, le A/B testing, on fait sur beaucoup de personnes, hein. Les deux, lequel est le préféré. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais des cahiers des charges et des spécifications. En fait, aujourd'hui, il y a très peu de normes sur les tests utilisateurs, il y en a. Et du coup, on avait écrit une norme interne, donc c'est un document qui faisait 50 pages, et on avait spécifié le minimum de testeurs qu'on voulait pas accepter de faire une étude. Donc moi, quand j'avais pas ces testeurs, je faisais pas l'étude. Donc ça, c'est aussi des documents qu'il faut travailler avec votre entreprise pour dire, bah, un test utilisateur valable, c'est un test où il y a 8 personnes, par exemple. Enfin voilà, essayez de placer la barre haute. Et après, il y a toujours la problématique du moyen versus moyen timing et versus l'ambition qu'on a. Et des fois, il faut déroger un petit peu sur l'ambition en disant, ok, cette année en 2020, je vais aller là. Par contre, en 2021, je vais aller là-bas. Et là, c'est vraiment, on construit en échelon l'envie qu'on a d'aller sur les tests utilisateurs qui sont puissants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. T'as Isabelle sur le MVP. Combien de personnes apporter sur un test pour un MVP lors d'un design sprint? Ça dépend ce qu'on veut tester. Moi, je ne suis pas à l'aise avec répondre là-dessus. Ça dépend ce que tu veux tester. Si tu veux tester la préférence, c'est-à-dire est-ce que je préfère le nouveau MVP ou est-ce que tu veux aider les gens à se projeter? Ça dépend si tu veux mesurer vraiment sans savoir la problématique. Moi, je ne peux pas répondre à ce genre de questions pour objectiver des fonctionnalités. Alors, quand il s'agit de la validation, le problème, c'est que c'est projectif. C'est-à-dire qu'en gros, tu demandes à l'utilisateur de se projeter sur comment il se comporterait dans la vraie vie pour par rapport à une feature donnée. Donc ça, c'est vraiment hyper compliqué. Donc déjà, il te faut des utilisateurs dans ta cible. Moi, sur un design sprint, ça m'arrive très fréquemment d'avoir une trentaine de personnes et je fais plutôt des tables rondes. Alors, je fais des design sprints un peu bizarres. Je fais, par exemple, les personnages, je les fais en 2 heures. L'après-midi, je fais la génération d'idées. La nuit, enfin, on le sent en tout cas, on fait du prototypage. Et le lendemain, je fais les tests utilisateurs le mardi, mercredi, jeudi. Donc, j'ai tendance un petit peu à péter la méthodologie design sprint pour l'adapter, en fait, à ce qui me semble important dessus. Ce qui me permet de faire des writes en recherche utilisateur sur les jeux vidéo. On fait souvent des premières versions. On fait tester par 5 personnes, on améliore, on refait tester par 5 personnes, on ramélior, on fait tester par 5 personnes. Ce qui nous permet d'avoir des notes, par exemple, sur 30 personnes sur ce qui est général et qui n'a pas changé, et d'avoir détecté des défauts par 5 autres personnes sur d'autres features qu'on a présentées de manière randomisée. Donc moi, si c'est vraiment pour valider des fonctionnalités, validation, ça veut dire que moi, l'acceptation, c'est êtes-vous satisfait? Et la satisfaction, malheureusement, il faut beaucoup de monde. Parce que la vraie question, en fait, au travers ça, c'est si je change les 5 personnes qui vont répondre par 5 autres personnes, est-ce que j'ai les mêmes réponses? Et tant que tu ne peux pas dire oui, il faut augmenter le nombre de personnes. Je ne sais pas si j'ai pas répondu, mais ça donne une petite... Et faites-le, testez-le. Une fois, faites un test utilisateur sur 5 personnes, regardez les réponses et recrutez 5 autres personnes différentes et regardez si vous avez vraiment des réponses qui sont similaires. Il n'y a que quand vous êtes sûr que les réponses vont être similaires que vous pouvez dire que vous avez un nombre suffisant de personnes sans connaître les stats. Clairement. Merci Manu pour cette réponse. Il y a Jérôme qui nous demande ce qu'est un MVP. Minimum product, vital product. Minimum viable product. Produit minimum viable, c'est le plus petit produit. C'est une approche lean que les startups mettent pas mal en œuvre. C'est quel est le plus petit produit qu'on peut mettre sur le marché qui soit utilisable et qui réponde aux besoins numéro 1 des utilisateurs. C'est un peu ça, l'état d'esprit du MVP. Tout à fait. Les amis,
Les amis, merci beaucoup pour vos différentes participations. Est-ce que Jérôme, Sylvie, Anaïs et Den, un petit mot de la fin, à faire un petit tour. Comment tu as perçu, et dites-nous aussi en commentaire comment vous avez perçu ce live, les amis. Jérôme, si comment ça se fait des questions. Et si tu n'as pas répondu à des questions aussi, n'hésitez pas à les remettre. Jérôme, comment tu as perçu ce moment? Très bien. Je vous écouterai encore très longtemps, mais on fera une prochaine fois, on fera d'autres, d'autres lives où on aura l'occasion d'échanger sur d'autres canaux, enfin, peu importe. Mais voilà, non, c'est très bien, super. Merci. Plein d'autres sujets. Merci à toi. Plein d'autres sujets avec Manu sont possibles, c'est infini. Tu pourrais passer une nuit entière, une journée entière à parler. Je suis bien en plus. Eden, comment tu as perçu ce moment? Très très cool. Comme le précédent, on apprend énormément de choses. On se rend compte aussi qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis super contente du coup de discuter un petit peu de ça, de voir un petit peu aussi la réalité en fait du marché, de comment ça se passe en entreprise. Pour ceux qui n'y sont pas encore, en tout cas, et de récolter pas mal de ressources, aussi bien en termes de bouquins que d'outils, formations, de noms, etc. Donc, c'est vraiment super. Merci beaucoup, en tout cas. Super. Merci, Eden, pour tes quelques mots. Anaïs, comment tu as perçu ce moment? Pareil, super intéressant. Alors, il y a la dernière intervention d'Emmanuel qui m'a fait penser à une question, mais du coup, si on n'a pas le temps, c'est pas grave, je pourrais toujours la poser sur le groupe Facebook ou voilà, je sais pas quel marge on a. Je vais tenter une réponse rapide. Tu as évoqué les personas et du coup, j'avoue que je me pose pas mal la question des personas avec des méthodos quali sur comment. Pour moi, justement, ça nécessite une approche hybride, d'être complétée avec du quanti, mais du coup, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue là-dessus sur comment avec, je dis n'importe quoi, avec 8 personnes en entretien, on peut construire des personas. Je ne vois pas comment, déjà, je te réponds à cette question. Mais en fait, on est en train d'écrire un bouquin avec l'équipe de Mélo, avec Lydie, David et Léo, pour expliquer la méthodologie hybride. Parce qu'on a Lydie qui vient de la data, et moi, je fais beaucoup de personas avec la data derrière. Moi, je fais plutôt de la segmentation stratégique. On a Léo et David qui sont plutôt sur des personas par du quali. Et en fait, on essaie de synthétiser tout ça. Et honnêtement, c'est très compliqué. Ça dépend si tu veux faire un proto-persona, un persona ou de la segmentation utilisateur. Moi, quand je suis assez ambitieuse, je cherche directement à faire la segmentation utilisateur. Okay. Donc, je vais faire beaucoup d'études. Et en général, il me faut 4 à 5 000 personnes parce que je vais même faire de la psychométrie avec des alphas de combat, etc. Donc, j'envoie en fait de la stat pour le faire. L'idée, elle a une approche plutôt data où en fait, elle va clusterer les comportements sur un site pour déterminer qu'est-ce que ça peut être les macros comportements en termes de trucs. Et après, seulement, elle fait du quali pour éclairer, pour dire qui c'est, etc. Alors que David et Léo vont plutôt partir sur une approche, et je pense Mélo aussi, plutôt d'abord quali pour faire des proto-personas, etc. Moi, la crainte que j'ai sur le quali, c'est qu'on ne sait pas si on est représentatif de l'ensemble de notre population. Parce que si tu prends que 8 personnes pour construire des personas, est-ce que tu n'as pas juste vu que la moitié de tes utilisateurs? Et ça, c'est pardon, désolé, ce que tu appelles proto-persona, c'est en gros des premiers insights qui commencent à se dégager. Okay. Moi, je fais ça en workshop. C'est-à-dire que je demande aux équipes, à votre avis, c'est qui les personas. Et je fais un workshop, un one-to-one entre 60. Et une fois que j'ai 60 différents personas, j'essaie de les merger ensemble par gros clusters et je vérifie par la data, par des études quantiques, que c'est vraiment ces clusters qu'on a vu apparaître, et peut-être des fois j'en rajoute et peut-être des fois j'en enlève. Et en fait, le proto-persona, c'est un persona qui, pour moi, n'est pas basé sur une approche scientifique. Je ne sais pas si la définition est valable. Ok, non, mais plutôt à l'aise avec... Je vais finir sur la question sur est-ce qu'une formation d'ergonomie IHM peut correspondre à des profils user research? A priori, oui. Moi, j'ai un petit problème, c'est qu'elle est un peu, des fois, teintée par une philosophie de travail qui est très spécifique. Par exemple, le trait critère de Bastin et Scapin, que moi, j'utilise jamais. Et du coup, des fois, j'ai des problématiques quand j'intègre des gens de parcours ergonomique pour leur faire intégrer d'autres choses comme l'analyse sensorielle, comme le quanti, quand ils sont habitués à faire certaines choses. Mais pour moi, ils sont parfaitement, ils ont parfaitement à leur place. Ils devraient l'avoir en plus. Parce que déjà, leur titre est protégé. Alors, les UX designers qui n'ont jamais fait d'études sur le sujet, on en voit plein. Pour moi, c'est plus légitime même de recruter un ergo IHM pour faire de la user research qu'un UX qui n'a pas de diplôme autre que juste UX.
Merci Manu pour cette réponse. Sylvie, comment t'as perçu ce moment d'échange? Voilà. Mélo, j'ai mon PC qui va... Tout bien, merci. C'est parti. Mélo, pour te répondre, moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je suis contente d'apprendre que Emmanuel, elle est au Gobelin, parce que j'envisage de faire une formation à l'automne. Hein. Donc, c'est cool, j'ai confiance. J'ai pas de questions particulières. J'ai juste vraiment galéré pour rejoindre le live. Et du coup, j'étais un peu en stress. Mais c'est tout. Mais merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Merci à vous. Merci à vous. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à faire émerger les bonnes pratiques. Et là, avec Manu, on est bien en termes de bonnes pratiques sur la recherche utilisateur. Alors, les amis, je vais vous proposer qu'on clôture. J'espère que Manu va arriver à nous faire un petit coucou à la fin. Merci à tous pour votre participation, et particulièrement Jérôme, Eden, Anaïs et Sylvie qui avaient osé allumer vos caméras. Merci beaucoup, c'est toujours tellement appréciable d'avoir des conversations en vrai plutôt que d'être derrière nos écrans toute seule. Donc merci pour ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes aussi dans les commentaires. Je vous fais vite fait des coucous, mais je vais en oublier, hein. Désolée les amis. Il y a Sophie qui était là, il y a Isabelle, Cécile, Louisa. Qui est-ce qu'on a eu? Margot, qui était pas mal là aussi, est présente. Sylvie, du coup, tu arrives à nous rejoindre au bout d'un moment. Je te vois dans les commentaires. Michel, il y a Farah qui nous a fait un coucou. Alice, Johanna, bref, tout un tas de personnes. Tatou qui était là aussi au début. Iris, merci à vous d'avoir été présents. Donc, le Woox Live, c'est donc un des experts du Club Woox qui vient répondre à vos questions. Donc on espère, j'ai pas encore la date du prochain, donc je ne vais pas vous faire saliver. En tout cas, il y en aura au minimum une fois par mois, peut-être même deux fois par mois. On verra comment ça se passe. Ah, Manu, c'était là. La fille qui s'est éteinte d'un coup, excusez-moi. On était juste en train de se dire au revoir, okay. Du coup. J'en profite pour rejoindre. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, Manu. Et merci. Encore, merci beaucoup pour ta générosité, ton partage de connaissances, ton regard critique, etc., etc. Merci et je vous souhaite à tous une belle après-midi, du coup. À bientôt. Salut.